La communauté des États d'Afrique de l'Ouest est en passe de retirer ses troupes de la Guinée-Bissau. Le début de ce retrait est prévu vendredi 28 avril 2017, alors que la crise politique et institutionnelle est loin d'être réglée. Même si la CEDEAO n'a pas avancé un motif particulier, certains observateurs expliquent cette décision par les multiples médiations avortées pour réconcilier les acteurs politiques. Depuis août 2015, que la crise a éclaté, plusieurs médiations ont été menées en vain. Donc cela, à mon avis, pourrait expliquer la décision prise par la CEDEAO de retirer ses troupes. C'est en gros le PAIGC qui ne veut pas s'écarter du pouvoir. Ce sont ses leaders qui veulent tout contrôler et qui estiment que sans eux, rien ne se fera. Donc je pense qu'il faut, prendre le taureau par les cornes si réellement on veut. On veut régler ce problème-là. La décision de la CEDEAO intervient à un an des élections législatives. L'opération se poursuivra jusqu'au 30 juin 2017. L'arrivée de la CEDEAO avait tant soit peu calmé les choses et permis au pays de reprendre un peu du poil de la bête avec la reprise des activités et une certaine stabilité qu'on commençait à voir. Cela peut sonner encore comme un retour à la case départ par rapport aux divergences qui n'ont pas été vidées. La Guinée-Bissau est minée par un bras de fer entre les cadres du parti au pouvoir, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Les choix du président José Mario Vaz et la politique du gouvernement sont contestés par une partie de l'Assemblée nationale, dominée par le PAIGC.